Coach Ngachou, on voit le sourire, on imagine que vous êtes largement satisfait du résultat, même si ce n'est qu'un nul. Bon, les objectifs sont atteints. Les objectifs sont atteints. Et donc saison vous êtes satisfaisante. Saison accomplie, surtout avec un beau match nul. C'est pas évident de remonter un but contre cette grande équipe de l'Union de Douala. Nous avons cravaché très dur. À un moment donné, les enfants ont failli baisser les bras. Mais j'ai tonné. Nous avons fait quelques réajustements et puis le but est arrivé. Donc. Alors, on a vu Fauve-Azur quand même avec plusieurs visages durant la saison. Face aux gros, vous étiez flamboyant, vous étiez bon, vous avez vu face à Canon. Mais face aux autres équipes du milieu de tableau, c'était pas toujours ça. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Fauve-Azur est un peu... C'est une équipe qui ressemble un peu au Lion Indomptable du Cameroun. C'est-à-dire que quand ils entendent le nom d'une grande équipe, ils se transcendent seuls. Bon, maintenant, à un moment donné, nous avons perdu le Nord, c'est-à-dire libérer les enfants quand nous sommes devenus Douala. Et puis, ils ont fait quelques abus. Il aurait fallu que je tourne très dur et que le président écoute ce que je lui ai dit. Et puis, directement, il a remis les enfants en cage. Donc, c'est une très grande satisfaction pour Fauve-Azur et le coordinateur. Déjà des projections pour la prochaine saison. Bon, vous avez posé deux questions au même moment. Bon, les projecteurs, nous avons maintenu l'équipe. J'attends que le président me dise ce qu'il pense et on verra.